Bonsoir, ça dépend de 1 kg. Qui côté ou après tout, nous c'est fournisé. Encore une fois, entrez la carrière, nous portez pour toute nouvelle cap dominé actualité à tant sur le plan local que sur le plan international. Je vous dis, c'est 6 septembre 2022. Actualité à l'effraiement comblé dans le pays d'Haïti puisque nous jouons cap vini là-haut, spécialement demain. Pays à Libral recommencer chauffer encore principalement Port-au-Prince. Plateforme Petite Dessaline avec un chef de filet Moïse Jean-Charles a préparé là pour chauffer béton demain si Dieu veut. Allez nous parler avec gros préparatif qu'a fait pour gros manifestation ça dans Port-au-Prince. Est-ce que Ariel a kakembe 11 septembre qu'a vini là tout la valance a descendre dans Port-au-Prince? Mesdames et messieurs, c'est Wololo avec tout nous parler venir avec préparatif déclaration qu'a fait en perspective de date ça. Pasteur Sanon, pasteur Emmanuel Sanon, youn principal suspect auteur intellectuel assassinat du président Jovenel Moïse te présenté lui devant cabinet destruction, j'ai noté ça hier. Nous prenons venir avec images et puis déclarations qui fait dans l'occasion de débrancher. Mesdames et messieurs, gros grand coup dans la prison. 4 prisonniers qui ont fait voile well pour le pays. Sans chapeau, Ariel Henry frappe pied à terre, mesdames et messieurs. Bien, nous pensons que Ariel lui-même l'étape dormi. Monsieur là, lui fait une action. Hier, tout à l'heure, on va gagner des détails sur quoi action ça a que Ariel Henry posé dans le pays. Plusieurs militaires haïtiens débarqués dans le pays Mexique. Dans quel objectif? Talon va bien tout détail. Et puis Martine Moïse, l'État en danger. Mesdames et messieurs, restez branchés ou pas le connaître pour qui ça? Merci infiniment, amis fournisseurs, ou même qui est branché dans la vidéo, ça, qui est quitté un like, qui est partagé, qui est quitté un commentaire. Si vous faites atterrir sur la chaîne, nous encourageons, abonnez-vous, courir vite, cliquez sur s'abonner, puis activez la cloche de notification. Comme ça, toujours été connecté avec nous, toujours avoir une notification à chaque fois que nous avons une nouvelle vidéo, pas oublier de quitter un like dans la vidéo, ça, dans toute l'autre vidéo, nous, pas oublier tout, dis-nous, qui côté ou approcher voir nous, comme ça. Nous avons un gros coup de chapeau pour une prochaine vidéo. Je tiens à avoir un gros coup de chapeau pour Ronald Miklis. Un gros coup de chapeau tout pour Alcira Marcelin. Nous pas oublier Carline Joseph. Yon en salutation tout pour Roland Pierre. Estimé Andrés Richemont Fleurissin. N'a pas salué tout Scarlett Dupiche. Sans nous pas oublier Jean-Paul Dieu Penny. N'a pas salué Philbert Juste, qui c'est un super branché, Wilda Ellie, cap recevoir nous depuis Maryland, aux États-Unis, Paul Alcin, un gros chapeau. Sans nous pas oublier Wendy Pierre, Jacques, à l'instant. N'a pas salué tout Marie-Germain, Max, Henri, Lorient et Latrier, toutes l'autre amis qui toujours branché, qui toujours quitté un like, qui toujours partagé. Et qui toujours quitté yon commentaire dans la vidéo. Merci infiniment. Même si vous regardez la vidéo ça du commencement à la fin. Yon beaucoup de chapeau. Sans plus tarder, n'apparaît directement dans le développement information. Nous partons. Dossier assassinat président Jovenel Moïse. Eh bien, j'en nous te dit ça hier. Aujourd'hui, nous allons venir avec Imagio. Eh bien, c'est docteur Emmanuel Sanon. Et docteur pasteur Emmanuel Sanon qui lui-même a été présenté dans le cabinet d'instruction hier. Il a répondu à la question la justice. J'en ai regardé dans l'image là, mesdames et messieurs. Mais juge d'instruction Walter Wessier Voltaire lui-même l'été poursuite enquête là sur assassinat président Jovenel Moïse. Lorsque l'étape auditionné hier, pasteur Christian Emmanuel Sanon qui a 64 l'année sous tête lui. Et qui trouvait lui des barreaux depuis plus passé yon l'année après que juge instruction l'était fini déclaré dans ordonnance li que li pas capable respecter délai de 3 mois que yon te bali pour l'était faire instruction sous assassinat président Jovenel Moïse. Dans déclaration que l'était fait dans micro la presse, maître Stanley Gaston déclaré que oui, juge là l'était coûté client moyen et audition l'était duré environ 3 heures de temps. Et c'est la première fois que Emmanuel Sanon lui-même l'était arrivé auditionné par un juge. C'est ça que Stanley Gaston lui-même l'était souligné.
Yon ti castan après arrestation, Sanon, eh bien, ancien directeur général police nationale d'Haïti à l'époque, Léon Charles, li te fait connaître que Emmanuel Sanon, li te gagné des objectifs politiques et li te entré dans le pays d'Haïti à bord yon avion privé avec objectif politique selon information que la police te disposé nan moment sa. Li te contacté yon firme investigation pour te capable recruter des mercenaires que nous toutes nous connaissons et li te entré dans pays d'Haïti début mois de juin 2021. Li te accompagné de certains mercenaires li t'a entré dans pays nan yon premier temps qui te droit assurer sécurité li comme président et sécurité entreprise li gagné. Et bien mission te vinn modifié lorsque yo te présenté à yon nan assaillant yon mandat d'amener qui te visé président Jovenel Moïse opération li te planifié à partir de mandat sa Christian Emmanuel Sanon lui-même te en contact avec yon compagnie vénézuélienne spécialisée dans sécurité qui basé dans pays les États-Unis. Et bien mercenaire premier monde yo te relé c'était Emmanuel Sanon lorsque la police te bloqué progression yo après yo te fin perpétré crime ça sous président République là Christian Emmanuel Sanon. Li même li te contacté deux moun après que li te fin recevoir appel mercenaire yo moun sa yo ki te reconnu comme auteur intellectuel assassinat là c'est ça que directeur général la police là li te fait qu'on est à l'époque Léon Charles li te révélé que la police te joindre matériel qui t'a compromettre Emmanuel Sanon en dans la caille. Eh bien yo te joindre yo casquette DA yo te joindre 6 étuis pour fusil et des pistolets ont été une vingtaine boîtes de cartouches, 4 plaques immatriculation de République Dominicaine, ont été une tour des chargeurs de pistolets non garnis, ont été une 25 cibles de tir non utilisées, ont été une machine et correspondance qui était adressée à des secteurs non PIA. C'est ça que Léon Charles lui-même l'a déclaré. Christian Emmanuel Sanon, bon côté parle, il est toujours clamé innocence li dans dossier ça, côté que plus passé 40 suspects te guettant joindre arrestation dans cadre même dossier parmi eux 18 soldats colombiens et puis 20 policiers haïtiens. Instruction juge d'instruction Voltaire à côté de Christian Emmanuel Sanon li concerné également James Solage, Joseph Vincent, Joseph Félix Badio, Marie-Jude Gilbert Dragon, Rinaldo Covington, Dominique Covin, Jean Laguel, Civil Dimitri Herrera, John Joel Joseph, Sherman Alejandro Rivera, John Jairo Suarez, Alegría Nacel, Franco Castañeda, Victor Albeiro Piñeda, Cardona, Ner Cáceres Durán, Francisco Aladio Uribe Ochoa et puis plusieurs autres inculpés qui ont accusation association malfaiteur vol à main armée terroriste assassinat et tentative assassinat au préjudice de président République là Jovenel Moïse et bien trois non suspects clés ça yo trouvé dans pays les États-Unis. Il s'agit du sénateur John Joel Joseph Mario Palacios et puis Rudolf Jarre. Nous allons poursuivre qui je sera déroulé dans le cabinet d'instruction dans le moment que Emmanuel Sanon lui-même l'étape répond à la question juge instruction. Nous suivons extrait dans tout de suite. Phase d'instruction,
L'instruction est secrète, le juge a mené une enquête, donc il y a des gens qui ont invité, il a posé une série d'actes d'instruction, mais nous-mêmes, avocats, nous sommes toujours là pour que nous assurions que le droit est respecté. Non, ça ne dépend pas de nous, ça dépend du juge. Le juge a pris le haut besoin. Mais s'il estime que les 10 ne font pas bien pour gagner. Alors que tout le monde a pensé que le Premier ministre pays a Ariel Henry lui-même, l'étape dormi, puisque nous n'avons pas jamais tant de lits depuis 2 semaines, il y a une grosse manifestation, une grosse mobilisation dans le pays à Cap Mandel, Baye Talon. Et bien, le Premier ministre là, l'a rencontré hier, le 25 septembre 2022, à tout commissaire avec un substitut de gouvernement de 18 juridictions dans le pays pour capable mettre accent sur le combat que yo pral entreprendre là contre commerce illégal carburant. Yon séance de travail avec commissaire gouvernement yo et puis substitut dans 18 juridictions dans le pays été faite pour capable traiter de plusieurs questions d'intérêt national et des mesures que entreprend pour limiter non limite la loi pour freiner certains dérives que yo constaté dans le système judiciaire là, selon un communiqué que l'équipe communication primature là lui-même yo sorti hier lundi. Yo te mette accent sur impératif urgent qui gagne pour combattre commerce illégal carburant dans le pays ainsi que ça qui gagne pour avec marché noir de produits stratégiques, ça qui violait des dispositions du décret du 20 décembre 1946 qui portait sur marché noir et spéculation illicite. Ariel Henry qui lui-même frappe pied la terre côté que il dit il est fermement résolu pour les finir avec question insécurité grand banditisme sur toute étendue territoire. Et bien Premier ministre là l'été profité pour les lancer une mise en garde contre toute libération suspecte de criminels notoires, ça veut dire Ariel Mandela, pour commissaire gouvernement, juge, tout le monde qui dans le système judiciaire. Là, attention, le a libéré criminel que la police fin marie. C'est ça que communiqué lui-même l'a souligné. Eh bien, a bien pile rigueur qui mettait sous gestion conflit terrien. Sous lutte contre détention préventive prolongée, amélioration de conditions de détention et non prisonniers, sans yo pas oublier indispensable combat contre corruption qui lui-même a gangrené le système judiciaire là. C'est tout bagaille ça qui était dans menu discussion. Et bien rencontre ça selon communiqué à l'occasion de échanges fructueux qui étaient gagnés sous diverses préoccupations qui exprimées par Parquetier quant à la sécurité au moyen que yo même yo besoin pour yo capable faire travail convenablement et remplir mission yo. Yo t'es sorti satisfait dans rencontre ça avec promesse qui t'est faite par Premier ministre là pour lui capable prendre engagement pour lui œuvrer de concert avec gouvernement pour bailler confiance à tout monde qui travaille dans système judiciaire pays. C'est ça que le Premier ministre Ariel Henry, à travers le bureau de communication primature, a fait connaître. Donc Ariel Henry l'a demandé pour moi qui dans le système judiciaire a fait attention avec façon il a libéré bandit de la police fin Mario et lui renouveler détermination là pour l'État lutter contre banditisme dans le pays. Yon l'autre pas pendant Ariel Henry t'a parlé de conditions de détention dans prison. Note ça que yo fait publié hier, eh bien, gen 4 prisonniers qui mourir grand goût dans prison civile Jacmel au cours de week-end. C'est ça que nous apprenons d'une source, yo t'a mouri de malnutrition selon information qui est disponible de janvier 2022 jusqu'à nos jours. Plus passé 10 prisonniers mourir dans prison ça à cause problème la manjaille qui pas gagné. Dans l'autre nouvelle, mesdames et messieurs, environ 30 militaires haïtiens de corps de génie des forces armées d'Haïti qui ont même été formés dans le pays Équateur. Nous on a parlé avec vous là, yo foulé sol pays Mexique là côté qui ont quitté pays à bord yon avion des forces aériennes mexicaines vendredi dernier en direction de Tematla au Mexique. Eh bien, annonce a été faite par le ministère de la Défense dans une note qui a été publiée sur page Facebook. Eh bien, militaire ça yo yo foulé sol Mexique là là dans objectif pour archive un cours intensif pour capable venir des instructeurs pour former des futurs soldats des forces armées d'Haïti. Donc 30 militaires haïtiens ça yo qui prend formation au Mexique pour capable retourner dans le pays à venir
aider dans l'agrandissement de l'armée d'Haïti. Dossier qui est pour avec ancienne première dame Martine Moïse qui lui-même est en danger de mort si nous capables quoi déclaration ça que on parle tant de Kounia là monsieur un extrait. Quand on dit Marie il mourit. Quand si Martine Moïse Marie il mourit oui ça veut dire dans pays là oui. La question côté. Bon si c'est pas si pas veux il va assassiner lui. Comment ça? Eh ben bon. La mettre dans modèle. Eh ben bon, qui donne bonne information. Nèg président Jovenel Moïse qui l'argent dans main yo. Ah oui, ça va. Ah ben bon. Nèg sont chercher Martine Moïse à Baleine. À Baleine. OK. OK. Là là ouais là me d'accord. Regardez monsieur. Ouais là me d'accord. Mais parce que mais sécurité blanc et puis le marche il mon c'est jam même m'embolier. Oui mais pas tout le blanc rentrer ici. Ouais. Et s'il baigne blanc pas venir. OK. En tout cas. Mesdames et messieurs, dans le jour qui vient là, il y a un grand mal dans le pays d'Haïti. Il n'y a pas facile du tout pour Ariel Henry avec tout le monde qui est dans le gouvernement, puisque dès demain, il y a une grosse mobilisation dans Port-au-Prince, côté que la plateforme Petite Dessalines a annoncé qu'il a mis des pieds à terre dans la capitale pays. Il n'y a pas de famille Lavalas pour le fouler béton à tout. 11 septembre qui vient là, nous connaissons qui c'est une date qui est toujours importante pour la plateforme politique ça qui c'est Lavalas, il y a toujours organisé activité dans date 11 septembre. Mais 11 septembre ça n'est pas différent. Lavalas pral foulé béton dans le pays d'Haïti. Et nous connaissons ça, ça veut dire lorsque Petite Dessalines avec Lavalas mette pied à terre pour chauffer béton ça, gagner la couleur qui annonce là pour prochain jour. Yo n'a pas invité au suivre un extrait dans déclaration dans planification qu'a fait pour gros mouvement ça dans la capitale pays dans le jour qui vient là à partir de demain. Nous suivons un extrait, nous tournons pour l'autre nouvelle. C'est un honneur pour nous matin pour nous présents devant la presse pour nous annoncer que l'activité secrétaire général parti a lancé pour mercredi 7 août 2022 qui c'est manifestation dans le département de l'Ouest. Nous, coordination Parti politique Petite Dessalines Tabar et Croix des Bouquets, nous réunis la matin pour nous dire nous monter à bord. Cela veut dire nous a participé dans la manifestation mercredi. C'est l'objectif conférence de presse ce matin. Une manifestation qui charrie derrière lui revendication population. Population, ça fait longtemps, il a prélé pour insécurité. Il a souffri pour transfert. Et Roel Pouyo, mais au transfert, Baoul Angoud avec Toyo même Yovle. Il demande l'État haïtien, il m'a demandé Banque centrale pour fixer taux dollar. Et puisque la population n'est pas capable encore, et vous constatez, l'État n'a pas décidé de mettre un frein dans l'insécurité. Eh bien, nous demandons Ariel Henry avec tout acolyte pour racheter Mayokli, pour démissionner, pour remettre population de ce pays. Amen. Ça que nous constatons, ça que parti politique Petite Dessalines constate, ça que sénateur Moïse Jean-Charles, qui est le leader parti, a constaté. Nous gagnons, depuis l'existence de l'État d'Haïti, depuis l'indépendance d'Haïti, nous gagnons un panorama politique qui n'a jamais changé, qui chita sous trois points. Premier point, c'est ingérence communauté internationale là, et ceci, ça c'est depuis l'indépendance, c'est une alliance la communauté internationale fait contre Haïti, seul Haïti, et ceci, c'est une condition qui mettait dans situation d'instabilité que nous avons aujourd'hui. Et ceci, ingérence ça, il prend plusieurs étapes. Dernière étape en date, c'est la constitution de groupe yorele, entité yorele corps groupe là qui vini effectivement prend même forme là pour continuer déstabiliser Haïti, fragiliser conditions économiques,
social et politique dans le pays d'Haïti. Deuxième pilier, deuxième point, c'est la bourgeoisie haïtienne. C'est secteur privé noir. En fait, Jean-Yokondil, c'est oligarque là, alors c'est thème idéal là, oligarque corrompien, qui pa jam créé yon condition pour peuple la jwenn yon mieux être. Dans tout pays sérieux, condition mieux être yon peuple, oligarque, bourgeoisie nan société a, li toujou yon pilier principal nan changer condition économique peuple la. La kay nou se pa salbe. Au contraire, yo kembe peuple la nan gorge, yo metel nan misère noire ke liye a. Troisième point, troisième pilier, c'est l'État nou gen la. L'État nous gen là qui bel et bien existait, mais depuis yo fin assassiné Dessalines, depuis yo fin assassiné Rêve Nation, depuis 1806, deux ans seulement après l'indépendance, l'État prend forme li te vle prendre. Li vin yon l'État qui compte le peuple haïtien, compte la nation haïtienne. L'État a gen deux objectifs: protéger intérêt communauté internationale là, protéger intérêt la bourgeoisie. Et tout compatiment yo ka montre l'État n'a gen la. En pile moun kon di l'fay ya mission, l'État pa fay ya mission. L'État n'a gen la te toujours gen de objectif: défendre intérêt communauté internationale là, défendre intérêt la bourgeoisie. Donc l'État son instrument lié nan men communauté internationale là, nan men la bourgeoisie pour capable tout pizi peuple là. Trois éléments ça yo: la communauté internationale, la bourgeoisie, l'État. C'est eux-mêmes qui kembe condition, qui kembe panorama politique Haïti depuis 1806, deux ans après l'indépendance. Maintenant, journée aujourd'hui à temps arrivé. Moment arrivé pour nous dire non avec situation n'a vivre. Nous supposer si l'État ça a son problème, nous supposer changer l'État ça. Remplacer le par l'État, papa nation, Jean-Jacques Dessalines, il était prôné immédiatement après l'indépendance. C'est ton l'État, tout le monde joigne. Pas de question, n'est-ce pas, n'est-ce pas, moun riche, moun pauvre. C'est ton l'État pour tout petit pays à joindre. Refaire l'État, retirer l'État dans la bourgeoisie, retirer l'État comme un instrument dans la communauté internationale, faire l'État un objet de bénéfice pour le peuple, pour masse qui pi défavorisé. 11 septembre 88, 11 septembre 2022, ça va être 34 l'année depuis criminel sans maman, assassin, Brassa Rouge, t'es assassiné en pile malheureux malheureuse dans le quartier populaire, à savoir dans l'église Saint-Jean Bosco, et même manqué assassiné leader charismatique noir qui c'est docteur président Jean-Bertrand Aristide. Dans ce sens, ensemble organisation qui se base sur Famille Lavalas, levez voix bien haut pour nous dire 11 septembre, ça va être 34 l'année. 34 l'année, même criminel assassin ça yo, yo vin sous une autre forme, sous PHTK 2e version, PHTK 1e version, 2e version, 3e version, continuer à faire assassinat sous petit peuple là dans quartier populaire. L'en considérer massacre Belay, massacre La Saline, massacre Cité Soleil, massacre Delma. Eh bien, c'est même yo même qui déguisé sur l'autre forme qui continue faire massacre sous petit peuple là. Qui donc nous dit yo bay koublier pour te mak songer. Dans sens ça, ensemble des organisations dit n'a foulé béton 11 septembre 2022 cap vini là. Nous dit tout quartier populaire yo, nous pral rele abat kidnapping, abat insécurité, abat grand goût, abat la vie chère, abat chômage, côté que nous wè, abat problème gaz, peuple haïtien problème yo pas jamais résoudre avec Ariel Henry. C'est peut-être ça. N'a prend la rue pour nous dire justice et réparation pour victime 11 septembre 88 yo, et n'a tout profité. Mande justice à réparation pour victimes. Plusieurs massacres PHTK, 3e version, fait sous population, y compris moun dans quartier populaire. C'est ça que fait. Nous dit, peuple a gen problème éducation, peuple a gen problème santé, peuple a gen problème logement social,
peuple a un problème environnement. Nous dit Ariel Henry qui sont à diriger là. Qui sont à diriger là, l'on pas capable résultat dans l'éducation pays a. Nous ouais, yo t'ai annoncé 5 septembre l'école t'a pouvé. Eh bien, yo reporté date là pour 3 octobre. À nos jours jusqu'à présent, des parents pour qu'on même prend carnet et même prend résultat pour qu'on dans quelle école yo pas mener petit yo parce que yo gon problème la vie chère a dévoré yo. Qui donc nous décider prendre la rue encore. On l'autre fois encore. Militants de base organisation politique famille Lavalas pour nous dire récréation finie. Abraham dit c'est assez. Parce que nous Ariel Henry son simple tweet qui te metto là, je dis à nous ou pas ka ba résultat dans la santé, ou pas ka ba résultat dans l'éducation, ou pas ka ba résultat dans logement, ou pas ka ba résultat dans un qui donc nous dit lague pied ou so ap diriger là. Sort à diriger là, c'est ça que fait. Ou craser système l'État, ou craser système justice là, pire, ou vient faire pire mal que les Jovenel Moïse était là. Eh bien, résultat, c'est zéro. Qui donc nous-mêmes, base, organisation politique, famille Lavalas, nous dit lague pied ou. C'est ça que fait. Nous dit mobilisation pas jam campé pour militants de base, organisation politique, famille Lavalas. Eh bien, dans ce sens ça. Nous dit n'a continuer faire bataille salut public là pour nous chavirer chaudière pour nous river joindre un gouvernement salut public pour nous river joindre tout service de base ça yo que nous pas jamais joindre pendant un bon nombre de temps dans pays là. Le parler de terrorisme c'est relatif à la terreur. Après kidnapping 2004 là, jodia États-Unis enclavé pays avec chef de gang tout partout. Et là nous pas prendre chef de gang à costume par exemple. On prend quelques énumérations. SDP, Jovenelis, PHTK et des ministres criminels quand au statut l'État à côté au sorti. Ils sont sortis par l'intermédiaire des États-Unis qui sont les criminels. Et nous pas oublier tout ensemble des massacres qui fait dans le quartier populaire. Ils ne font pas Madame Lali, Madame Sisson, l'ambassade américaine. Parce que c'est lui qui est remplacé par les nationales. Je dis à notre petit peuple là. Pas rien l'autre monde qui a bannu solution que délivrance nous dépend de nous-mêmes. Et nous continuons à mobiliser, même si nous avons fait stopper le système colonialiste et esclavagiste, nous avons quitté Haïti qui voulait dire pas obéir. Et nous avons continué à obéir au système, non. Parce que je dis si tout ensemble des massacres qui fait dans le quartier populaire, quand dit classement ennemi pas parler, quand dit classe dominante, personne ne va dire rien, peuple n'a personne comme défenseur pour défendre nous. Par contre, nous demandons 11 septembre qui vient là pour dans 10 départements peuple haïtien lever campé parce que personne va délivrer les ministres qui représentent au statut occidental là yo parlent encore des criminels madame yo petit yo sœur yo frère yo l'autre bord yo pas jamais de sensibilité pour Haïti. Jodi alors prend nouveau groupe gang qui c'est PHTK qui en connivence avec l'ambassade américaine parce que au commencement yo t'a pris la bas système là. Soit après la bas système, je dois pas renforcer le système là. Soit après la bas système, comment faire 500 moun mouri cité soleil, personne pas dit rien et m'a dit un gros coquin chaîne solidarité pour moun Brooklyn, Platon Belay, tout ensemble des massacres. Côté madame Lalim, fédéré groupe gang en famille allié, je dis à résultat c'est ça. Pour nous conclure, États-Unis passe Yougoslavie, nous ouais ça le fait. Il passe en Afghanistan, ouais ça le fait. Où elle passe Venezuela, ça le fait. Il passe Panama, le fait. Ouais ça le fait. Il passe en Égypte, c'est ça le fait. C'est le terrorisme relatif à la terreur. Nous dit à bas les États-Unis, à bas ambassade américaine qui remplace par les nationales. Et nous dit vive Haïti, qui veut dire pas obéir.
Voilà, mesdames et messieurs, pour l'émission d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous à une plus prochaine vidéo. Nous aimons pile. Ciao, ciao. À la prochaine.